Ouais, c'est ce qu'on va faire par palier. Oh putain, parti. David, parti. Oh putain. Oh, il m'a fait comme hier. Ah, il l'a. Je laisse partir. Active ta caméra. Je l'ai. David. Oh non, il l'a relâché. Oh, il l'a relâché. Putain, je l'avais bien ferré. Non. Oh, me dis pas qu'il m'a arraché le vif. Oh, je l'ai encore. Dojo en position. J'ai plus beaucoup de fil là, je pense. Bon, après on lâche les ancres et puis on laisse filer. Je pense qu'on va, pas tarder à le suivre. Ça, ça mord toujours à chaque fois que dès le début qu'on arrive. De toute façon, c'est systématique maintenant quand c'est des boules. Oh. Parti. Départ. Jojo, ça fait un moment que ça filme. Donc Jojo est au départ, je lui avais dit de replacer et de revenir sur la boule, ça n'a pas loupé. Il est en attente. Oh! Bobine sur le frein. Bobine sur le frein. Bon bah je pense que Jojo est attelé, mais j'en suis pas sûr. Il part avec son ventre. J'arrive. Jojo en plein départ, je remonte l'ancre et c'est parti. Fight. Qu'est-ce que tu disais? Donc ça mord au départ, on arrive et après ça mord plus. C'est ça ce qu'elle dit. Hein. Bon bah. Écoute, Jojo, l'expert en silure. Par contre, t'as pas le réflexe encore de mettre ça sur la bobine, hein, de la main sur la bobine. J'avais pas mis ça. Non. Il revient vers toi. Fais attention. Vas-y, vas-y, je me recule. Laisse-moi. Ouais, il a fait une tour. Ah, même taille que toi. Ah putain, il est mal piqué. Il est pile commission de la mâchoire, je sais pas si il a tout le temps. Bah, écoute, je la joue cool. Elle joue la cool. Et il a pas le fireball en pleine tête. Bah relâche le... Attends, je regarde. Si, il l'a. Il est où le trip? Si, il l'a. Il a tout sur le côté, mais pas sûr qu'il ait le trip. Il l'a pris par la tête. En fait, il l'a mordu sur le milieu. Mais j'ai le frein bloqué à fond. Ouais. Putain. Je t'ai serré un peu parce que. Attends, je vais essayer de t'attraper. C'est bon. Non, ah. Mais je. Ouais, même taille, le même. Attends, je vais te l'attraper. Ça, ce, bah, ce qui me fait chier, c'est tes rapports. Voilà, comme moi, comme. Je veux dire. Plus gros. Il est pas plus long. Pas plus long, mais il est gros. Mais gros, grosse tête. Vas-y, t'occupe pas de moi. Ah, c'est que l'avantage que tu me tiennes, c'est que tu peux me faire. Ce que j'aimerais bien, c'est arriver à te faire reculer. Oh, putain, il est pas mal. Il a de la largeur. Il est large. Oh, il est large. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Bonheur. Oh. Bonsaï. C'est ça. Oh putain, ça enroulé. Oh non, mais pas comme ça.
Oh là là, bah, pff, il est complètement enroulé là. Est-ce que tu es capable de me tracter? Oui. Mais hé, tracte-moi carrément. Ah bah non, on n'a pas. On a... Non, non. Non, faut que t'ailles l'autre. Faut que j'aille. Attends. Sinon, attends, je sais ce que je vais faire. Tu vas ramer, je t'ai venir. Donne-moi ton encre. Non, mais. Ah oui, merde, il y a mon encre, c'est chier. Oh putain, elle me tire de l'autre côté. Mais ton encre au cul de mon bateau. Allez, tu me le fatigues, tranquille, moi je t'emmène. Ça y va? Je tire pas en force, hein. Ça le fait? Ça le fait, loulou? Ouais, ça le fait. Oh, c'est excellent ce technique, putain, hein, c'est nickel. On est trop beau. Allez, deux silures. Boum boum, bah, terminé. Je n'ai pas encore dehors, j'ai toujours peur, moi, tu sais. Il va y aller. Mais il te suit, putain. Ah bah oui, de toute façon. En même temps, c'est normal, c'est pas David. Et elle est tranquille, ils savent qu'ils repartent à l'eau après. Ah, il met un petit rush là. Ouais, elle est peut-être un petit poil plus grand que le mien, ouais. Bon, on approuve une technique nouvelle, c'est-à-dire que celui qui a le poisson, bah, l'autre le tracte. Donc j'ai eu mon tour tout à l'heure, Jojo m'a tracté, donc là à moi de tracter Jojo. On y va tranquillement, hein, ça va y aller. Hein. Tu descends pas Jojo, c'est pas parce qu'on voit le fond qu'il n'y a pas de l'eau. Hein. Tu attends que je t'ai amené au bord. Tu relâcheras un petit peu de frein là parce que j'arrive vraiment au bord. Je vais te tirer le kayak jusqu'au bord, tu le finis. Hein ? Change, qu'on peut l'attraper direct. Tu vas pouvoir prendre ta loi et que le bord tu vas chuter direct. Je vais l'attraper à la main, tu vas voir. Bouge pas. Ouais, bah, il a... Je sais pas c'est à quoi c'est dû cette forme de bosse. Bah après mais... c'est peut-être ceux-là qui viennent les plus gros après. Ouais, parce que putain, t'as vu la main. Ça, comment c'est massif là. Il y a une sacrée coopération kayak, c'est tout ce que je peux vous. Ah bon. Voilà. Il va faire un release automatique. Silure, deuxième silure d'1m70. Ce coup-ci sur ma canne, donc on a persisté. Donc on a bien fait d'extirper le premier silure de David de la boule du secteur. De toute façon, on a repassé dessus et voilà. Un beau silure d'1m70, un peu plus large, un peu plus fat. Mais bon, les deux ont donné des combats superbes. Donc voilà. Après une belle coopération en kayak. Voilà, première coopération en kayak à deux kayaks. L'un mène le combat, l'autre tracte pour faire contrepoids et pour revenir au bord. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'on vit, c'est super. Ah, oh, ma nana va encore hurler. Elle me dit, tu rentres pas trop sale. Hein. Non, non. C'est, elle me dit, en ce moment, elle me dit, je sais pas ce que tu fais avec David, mais ta relation est douteuse avec lui. Je fais, bah arrête tes conneries. Ouais, un petit peu abîmé là, lui. Là. Allez. Voilà. Oh, il est super, mais ils sont pas marqués, ils sont vraiment propres. Hein. Ouais. Ils sont sacrément propres. Ils sont bien quand même des regarde ça. Impeccable.